Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour l'Afrique, bonjour le Togo, bonjour les amis. Je fais cette sortie suite aux multiples sorties d'Abbas Kabwa tout au long de la semaine. Vous savez bien que Abbas Kabwa a dit beaucoup de choses. J'ai même pensé que une certaine jeunesse togolaise, surtout Bassa, allait prendre sur elle de recadrer Abbas Kabwa. En vain. J'ai pensé ensuite à tous ces jeunes qui, soit dit-on, étaient des jeunes de Kofi Amiam, des colistiers, des gens prêts à en découdre avec Camus, mais pas prêts à en découdre avec Abbas Kabwa quand ce dernier s'en prend frontalement à Kofi Amiam. Je reprends. J'ai pris du temps pour voir si les jeunes bassards qui sont prêts à m'affronter toutes les fois que je ne suis pas pour Kofi Amiam étaient aussi prêts à affronter Abbas Kabwa avec toute la verve, toute la force dont il m'affronte tout le temps que je ne suis pas sur la même ligne, la même pensée politique que Kofi Amiam. Ici, j'ai voulu ce matin disserter, analyser, recadrer Abbas Kabwa et sans phare. Je dis sans phare. D'autant plus que le Kabiya a pris sur lui de dire beaucoup, de faire beaucoup de choses qui, dans un pays, devraient interpeller les bien-pensants. La simple question aujourd'hui au Togo, y a-t-il encore de bien-pensants? Sinon, je ne peux comprendre qu'un député, soit dit-on en passant, élu du peuple, pouvait prendre sur lui d'insulter toute une élite bassard sans que personne ne lève le doigt. De Kofi Amiam, en passant par les généraux, les officiers togolais, Abbas Kabwa les a passés au crible. Kofi Amiam serait lunatique. Tant qu'aux autres, il n'avait pas assez de couilles pour prendre le pouvoir en 2005. J'ai pensé que c'est toute une jeunesse bassard qui devrait lever le bois vert et sonner l'alali de la fin des cochonneries d'Abbas Kabwa. Que nenni, rien ne s'y est passé. J'ai alors choisi ou j'ai pris sur moi et comme toujours, de défendre tout le peuple bassard. Je dis bien, tout le peuple bassard sans phare. Abbas Kabwa, j'ai quelque chose de personnel
à vous demander. Nous ne pouvons pas faire au Togo un débat sans insulter. C'est ma question, Baskabo. Est-il difficile à un Togolais de faire un débat sans insulter? Bandicon, cochon, à vous, Kabli, il y a tout que les Togolais ont entendu de votre bouche. Dieu dit de votre bouche, sinon de votre gueule, Abascaboa. Je suis sûr que tous les matins que vous vous rasez, c'est votre gueule qui ne vous plaît pas le plus. Parce que vous savez que vous n'avez pas une belle gueule. Abascaboa. Regardez bien votre bouche. Elle n'est pas belle, votre bouche. Mais c'est de cette bouche que sort toutes les insultes, toutes les injures, toutes les calomnies et tous les dénigrements. Et pourtant, vous portez le maillot de député élu du Togo. J'ai dit député nommé. Vous m'excuserez. Quand on est nommé, on n'a pas de compte à rendre à quelqu'un, à part celui-là qui vous a nommé. Et vous le faites si bien. C'est le peuple kabyé. Dans son ensemble, il paraît qui vous aurait nommé. C'est pour cela, vous avez aussi des fans. S'il y avait des instituts de sondage au Togo, dans le milieu kabyé, il est clair que vous devrez avoir un pourcentage qui en dit long sur la mentalité collective du peuple de l'ethnie que vous défendez sur votre personne. Abbas Kaboa, vous n'êtes pas Éric Zemmour, mais vous portez un certain langage. Que votre ethnie, pardon, aime entendre. Le langage qui dit de vous que vous êtes les gens, les hommes forts, travailleurs, dynamiques. C'est pour ça, vous dites de Sanda jusqu'à Vougan. C'est vous qui êtes fort et c'est vous qui travaillez beaucoup. Abbas Kaboua. Donc, si vous n'êtes pas là, là-bas, là, en pays Bassa, les gens ne vont plus manger. C'est ça, non? À Sanda, là-bas, près de Kabou, les gens ne vont plus manger. À Vogan, les gens ne vont plus manger. En pays Akposso, les gens ne vont plus manger. À Palimé, les gens ne vont plus manger. Parce que tous sont des paresseux. C'est vous seulement au Togo qui êtes fort. Abbas Kaboua, tu as vu. Tu vas créer des pogroms au Togo. Et je t'ai dit dans une sortie, tu seras le premier à être emporté par les pogroms que tu veux créer au Togo.
Nous t'avons seulement dit, dans une sortie, la manière dont tu traites le peuple de Dan. Chez toi, en pays Kabyé, personne n'accepterait qu'un natif de Dan le traite comme ça. C'est ce qu'on a dit. Faut pas faire le mélange des gens à Basse-Cabois. Tu insultes la diaspora de Dan. Tu insultes le peuple de Dan. Et nous avons démontré que le contraire ne pouvait pas être possible. D'autant plus que faire même un meeting politique en pays Kabyé pour les autres partis d'opposition était impossible. C'est pratiquement impossible. Tous les chefs de partis politiques qui ont tenté se sont cassés les dents aux portes de la COSA. On a seulement voulu vous dire que le Togo est un et indivisible. Il n'y a pas la République de la COSA et les autres républiques. C'est ce qu'on a voulu vous dire. Tu as pris et tu veux installer les pogroms. Abbas Kaboa, tu as insulté Kofi Amiam. Tu as insulté les officiers Bassar. Dans le subconscient collectif en pays Kabyé, tu fais très bien. Tu fais tellement bien que personne ne lève le doigt pour te recadrer et te dire, garçon, tu en fais un peu plus. Comme en pays Kabyé, on ne va pas te recadrer. En pays Bassar, on va te recadrer. Tlatous, Aïrpoumbot. Les gens disent que tu es fou. Cette semaine, j'ai beaucoup travaillé. J'avais pas assez de temps. Mais j'ai eu tellement de messages qui disent ceci. Comme il faut le laisser, c'est un malade, c'est un fou. Faut le laisser, c'est pas ce qu'il fait, le fou. Chers amis, chers Togolais, vous qui dites qu'Abbas Kaboa est fou, c'est vous-même qui êtes fou. Un fou, normalement, est interné. Un fou, on le suit de près. Un fou ne sait pas aimer seulement son ethnie et tirer sur les autres. Un fou ne prend pas l'argent de l'État pour venir se balader à Paris et retourner. Mais comme nous avons tous échoué là-bas au Togo, il y a ce qu'on appelle l'aveu d'impuissance. Comment on ne peut pas arrêter le fou et lui dire dans les yeux qu'il n'est pas fou? On préfère s'en donner à la fatalité. Abbas Kaboua est fou. Non, non, c'est un fou. Abbas, tu n'es pas fou. Tu véhicules une idée d'une certaine ethnie. Ce que pense l'ethnie, sans pouvoir avoir le courage de dire, c'est ce que tu dis tout haut. Vous avez traumatisé les autres au point que vous vous dites dans la tête que vous êtes les plus forts, les plus dynamiques au travail. Donc vous êtes partout. Pas parce que vous les avez expropriés
par endroits de terre, mais parce que vous êtes fort. Allah, Abaskaboua. Toi comme ça là, tu es aussi fort. Abbas Kabo en pays bassarondien. Parfois, la cigale est pleine de caca. Même pour elle, elle est graisseuse. Elle a beaucoup de graisse. C'est ton cas. Comme tu es gros là. Tu parles comme tu veux, avec des trémolos là. Tu penses que tu es fort, alors que tu es plein de caca. Tout ton corps là, ce n'est pas la force, c'est du caca. Mieux, c'est de l'air. Quand on a pu là, ça fait comme ça. Il y a une photo là de toi qui circule sur la plateforme. Le ventre ballonné. Le visage, je ne sais pas. Et toi aussi, tu dis, tu es fort. Au point même de dire que quand je viens là, tu vas me battre. Toi, tu vas battre Kamush Ali. Tu vois? Tu as mis ça dans ta tête. Ou bien on t'a mis ça dans ta tête. Au point que toi aussi, tu penses que tu es fort. Et plus loin, c'est toute une ethnie qui est forte, dynamique, travaille dans le champ de manioc, de mil, de maïs, quand les autres, eux, ne font rien. C'est tout le contraire, Abbas Kabwa. Quand vous expropriez des centaines d'hectares de terre aux gens, il ne faut pas le confondre avec la persévérance, le dynamisme et la force. C'était pour le premier volet. Nous allons parler dans le second élément audio de Kofi Amiam, des officiers Bassa, que la brute que tu es a pris sur elle, d'insulter. Et par ces gens, tout le Grand Bassa. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.